Salut tout le monde, c'est Lexuki, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau live, une nouvelle rediffusion de Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Aujourd'hui, on va terminer le scénario de Duel Monster, on n'a plus que deux duels à faire. Après, on va commencer le scénario de Yu-Gi-Oh! GX. Et bon, voilà, ça va être à peu près tout et on va essayer de débloquer de nouveaux boosters. Bien sûr, vous pouvez retrouver la rediffusion de ce live sur ma chaîne de rediffusion Alex Yuki VOD Live. Et vous pouvez aussi retrouver ce genre de live. Eh bien, normalement deux fois par semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être compliqué. On verra bien comment je programme mes lives pour la semaine prochaine. Mais d'habitude, voilà, live Legacy of the List, ce sera le lundi ainsi que le jeudi, toujours à 20h30 sur ma chaîne Alex Yuki, enfin ma chaîne YouTube Alex Yuki et la chaîne Twitch Alex Yuki avec 3 i. Et du coup, tu as juste pas posé de questions. Comment ça, j'ai juste pas posé de questions? C'est le streamer en bas à droite, Alex Yuki. Déjà, je ne suis pas en bas à droite. Guys! Bon, du coup, on va partir sur le duel entre Yugi et Darts. Histoire de deck. Il y a des améliorations pour les dieux égyptiens? Non. Hop, on va dire ça. Et bien sûr, à chaque fois, on va skip les scénarios, puisque si vous voulez les voir, faudra regarder mon ancien let's play que j'ai fait il y a des années. On va être second à jouer. J'ai envie d'avoir une carte en plus. Il est pas en bas à droite, mais en bas... Mais en bas, en haut. Exact, je suis en bas en haut. Ok. Ah oui, c'est vrai que Yugi joue un deck comme ça. Valkyrie des Ténèbres. Seems legit, hein. Avec... Waouh. Calm down, Darts. 3800 points d'attaque. Oh. Du coup, quel sujet ici? En envoyant les cartes ci-dessous que vous contrôlez au cimetière, non affecté par les effets d'autres cartes une fois par tour, si cette carte combat durant... Lorsque cette carte est détruite, oh putain. Les effets à rallonge, hein, s'il vous plaît. Ok, j'ai tout, hein. J'ai clairement tout. Toi, il faut le croc de Critias. Lorsqu'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés avec une attaque ou un effet de carte, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Yes. Ça m'a l'air drôle, ça. Ça m'a l'air vachement drôle. Il y a que ça en... pour Critias. Et toi, comment on t'invoque, toi? Lorsque cette carte est invoquée spécialement... Ah oui, tu peux l'invoquer qu'avec les jambes de cœur, ok. Bon, on va poser ça. Dart, il va se faire bolosser, mais comme jamais. Hein. Avec Suki, tu joues sur la Switch ou sur émulateur? Je joue sur Switch. J'ai pas compris ta réponse à bug. Ma réponse à quoi? J'ai pas vu ça à bug. Quelle question? Du coup, on va lui mettre force de miroir. Les gars, je peux pas remonter le chat, jouer en même temps, répondre aux questions, tout ça en même temps. Donc, à la limite, reposer la question. S'il vous plaît. La magicienne qui ride l'autre, là, ça, elle fait quoi comme effet déjà? Ok, tu défausses, tu détruis. Et elle a combien d'attaque? 2000 combien? 2006. Donc on va la mettre. Pourquoi il n'y a pas force de miroir sur Duel Links? Non, les gars. Regardez, vous voulez de l'animation. Pourquoi mettre une animation au dieu égyptien alors qu'on a l'animation de la magicienne des ténèbres? Guys. L'œil de Timé. Parce que c'est trop fort, en fait. Enfin, je sais pas si... Ah, si, c'est beaucoup trop chiant sur Duel Links. Ce serait beaucoup trop chiant. Je viens d'arriver et tu fais quoi comme combat avant... C'est le premier. C'est quoi ton deck préféré? Duel Links, TCG, je ne sais pas. Du coup... Griffe d'Hermocrate, je pourrais sacrifier un guerrier. Guerrier c'est celui-ci. Il peut attaquer deux fois et aussi il fait des dégâts perçants. La griffe d'Hermocrate! Ok. Quoi?
Hey! Attendez, attendez. What? Depuis votre main, hein? Du type qui est lissé sur... Quoi? Guys! Non! Non, merde. Oh, merde. Pourquoi j'ai pas pu le cibler? Ah, mais Master Rule 4! Mais oui! Master Rule 4! Oui, mais avant celui-là, c'était quel combat? C'était au live précédent. Master Rule 4! Oh merde. Ok, j'ai compris. Les zones extra, bah oui. Yo Alex, tu as vu l'Elix sur les nouveaux boosters qui va sortir sur Duel Links? Si oui, t'en penses quoi? Je pense que ça va être bien bon. Le deck machin. En tout cas, j'ai pas. C'est pas comme si j'avais bouffé toutes mes ressources pour rien. Hein. Tiens, je vais faire une autre griffe d'Hermocrate. Je me demande bien ce que ça fera. Merde. Hop, oh, vas-y, tape-moi ça là. Alex, joueur qui oublie la Master Rule 4. Mais en plus, les gars, genre, cet après-midi, j'ai record deux présentations de deck Link Evolution. Donc, la présentation de deck pour demain, deck Mersourure, et la présentation de deck pour la semaine prochaine, Protecteur du Tombeau. Et du coup, quand même, la Master Rule 4, je m'en souviens, puisque je fais des Link à gogo. Mais apparemment, là, j'ai oublié, hein. Oh là là, Alexuki, Alexuki. Bon, par contre, Darts, il a le pire deck, hein. Genre, ils lui ont mis le pire deck possible. Il est horrible. Enfin, horrible pour lui, hein. Comment perdre 200 points de vie? Je ne sais pas, tu te fais attaquer par ton adversaire, j'en sais rien. En même temps, quelle idée d'avoir mis la Master Rule 4 sur les anciens scénars. Donc, apparemment... Le fait qu'il y ait la Master Rule 4 partout, c'est parce que ils veulent pas paumer les nouveaux joueurs. Puisque ils se disent, ah bah merde. Genre, enfin déjà ceux qui voudraient jouer au Recalcos Shunoros. Hein. En fait, ceux qui voudraient jouer leur Link, ils se diraient, bah pourquoi je peux pas les jouer sur Duel Monster ou quoi. Là j'ai envie de dire, les gars, Kuniami, vous pourriez mettre un système qui fait que vous pouvez choisir le mode, après avoir terminé le scénario, j'en sais rien. Mais en soi, Konami s'est dit, sacrifier un monstre guerrier, balisez max 3 dragons légendaires depuis votre... Ouais, ouais, c'est ça. Battle phase. Ils se sont dit, ouais, bon, Les nouveaux joueurs, ils vont être paumés, ils vont se dire mais pourquoi les règles changent entre les saisons, tout ça. Bon, c'est un petit peu bullshit. Je dirais que c'est pas non plus... C'est pas non plus trop con ce qu'ils disent, mais c'est pas ouf. Juste, tu dis... Enfin, c'est rien, je sais pas comment tu fais. Mais je pense qu'ils peuvent mieux faire. Bon, du coup, Darts, on l'a bolos. Hein. C'est quoi le Master Rule 4? C'est le fait qu'il y ait des links et du coup que tu puisses pas jouer plusieurs monstres venant de l'extra deck sans jouer les monstres Link. Compteur de misplay lancé. Tu as perdu, Darts! Ouais, tu as perdu. Du coup, il avait le pire deck. Le duel final! Maintenant que le pharaon a sauvé le monde, blablabla. Du coup, on va jouer Yugi Muto. Comment arrêter de se prendre des vents? Mais je t'ai dit bonjour. Mais je t'ai dit bonjour, le Hugo, non? Si je l'ai pas fait. C'est quoi l'histoire de Master Rule? Puisqu'en fait, ce qu'on appelle les Master Rule, c'est les différentes règles de Yu-Gi-Oh! Donc on a par exemple la Master Rule 1, où à l'époque, voilà, t'avais juste les zones monstres, magie piège, ton fusion deck, etc. Après, au fur et à mesure de l'évolution du Yu-Gi-Oh, t'as eu d'autres Master Rule qui... Enfin, les Master Rule ont évolué en 2, 3, 4, 5. Où en fait, par exemple, t'as une nouvelle Master Rule pour dire « Ah, il y a des zones pendules entre le cimetière et le deck, etc. » Et après, t'as la Master Rule 4 qui dit que les zones pendules sont dans les zones magie-piège. T'as deux zones extra qui sont au milieu. Si tu veux invoquer un monstre fusion, soit tu l'invoques là, soit tu l'invoques dans une zone pointée par un monstre lien, tout ça.
Du coup, coup de cupidité. Attention, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être Master Rule 5. Et ouais, les gars. Oh, Watapon! Je peux invoquer spécialement mon Watapon! En position de défense. Yes. J'ai changé de téléphone, comment je fais pour récupérer mon compte Duel Links? J'espère pour toi que t'as fait un transfert de données, comme j'ai présenté dans une de mes vidéos. Et sachant que je dis dans... Enfin, j'ai toujours une notification dans mes vidéos Duel Links où je vous dis de faire le transfert de données, comme ça vous perdrez jamais votre compte. Où en fait, bah, tu vas dans les options, tu fais transfert de données, et du coup ça te fait créer un compte Konami, donc avec un mot de passe, une adresse mail, tout ça. Et qu'est-ce qu'on va retirer du jeu? Force au miroir, je sais rien, vas-y. Et du coup, ça te permet de te reconnecter à ton compte Duel Links sur d'autres plateformes, par exemple. Que va-t-on faire? On va invoquer le Spadassin Silencieux niveau 5 en sacrifiant Watapon. Faudra que je farme mon deck héros masqué dessus, c'est... Alors sinon je vais vite me prendre la tête avec cette Master Rule. En plus héros masqué, ça... C'est pas trop... Ah, force de miroir. C'est pas trop gênant avec la Master Rule 4. Bon après t'as pas... En fait héros masqué peut bien se débrouiller avec juste un seul monstre fusion sur le terrain. Et encore, tu peux faire des invocations Link pour bien te débrouiller, non, franchement. Franchement, Yugimuto91 a utilisé le deck héros masqué au CDF et il s'est bien débrouillé. Donc, ça, même avec les invocations Link, ça passe. J'attends surtout les Xyz, les pendules sur DL, je trouve que ce sera bof. Tu attends les Xyz, mais tu trouves que ce sera bof? Pas de compris, hein. J'ai pas trop compris, là. Hop, on met les épées de révélation lumière. On pose Alpha. Et on termine le tour. Et après, on invoque un Gandora au prochain tour. Il faut faire qu'une seule fois le transfert de données ou à chaque fois qu'on a besoin? Une seule fois. Oh non, la Master Rule 4 est surtout là pour empêcher les decks de spam le terrain de monstres de l'extra deck. Ouais, mais c'est naïf, en fait, puisque... Non, en fait, ça permet de toujours spam. C'est plus restreint, mais tu peux toujours spam ton terrain de masse monstre de l'extra deck, en vrai. Dandora. Je sacrifie mes deux monstres! Et j'invoque Gundura! En position d'attaque, pas d'animation bien sûr. Nique sa mère. On active son effet. Moins 4000. On détruit toutes les cartes. On retire du jeu toutes les cartes sur le terrain. Oh, il avait une autre force de miroir. Salaud. Salaud. Vas-y, Battle Vase. Allez, on attaque à 1200. Ouais, sinon, c'est au Kaiba. Tu cherches sur YouTube Alex Yuki. Comment ne pas perdre son compte Duel Links. Et tu auras le tuto. Voilà. Même les héros extra ne sont pas nécessaires. Hein, pour les invoquer. Pour le deck héros élémentaire. Enfin, le deck héros masqué. Après, à voir ce qu'ils vont rajouter plus tard. Mais je crois que les... Je sais pas ce qui sera rajouté en héros extra plus tard. Mais c'est pas non plus nécessaire. Bah on peut même overspam si on gère bien au point de bloquer la zone extra du joueur adverse. Exact, avec les extra links. J'en ai marre, on dirait que mes questions n'apparaissent pas. Je crois qu'en fait mes messages n'apparaissent pas. Bah à mon avis il y a des messages qui passent pas, hein, Hugo, hein, puisque en vrai je vois pas de questions. On a charge de lame. J'invoque le Spadassin Silencieux! On est dans le mal en vrai. Je suis sûr qu'il a un bon monstre en position de défense là en plus. Ça va. Et lui il invoque un monstre durant la stand-by. Donc j'ai juste à le sauver avec la force de miroir et c'est bon. Endphase. Extra Link c'est quoi? Extra Link c'est quand en fait tu fais un U sur ton terrain. Donc un U comme ça. Rideau de magie noire, ok. Et en fait, normalement, en temps normal,
avec la Master Rule 4, tu ne peux utiliser qu'une seule zone extra parmi les deux qui sont au milieu. Tu peux utiliser seulement celle-ci. Mais si jamais tu arrives à faire un U, donc par exemple, tu as un monstre lien ici qui a une flèche qui pointe vers le bas, puis ici, un monstre lien qui a une flèche qui dirige par là, puis un monstre lien qui dirige par là, blablabla, et qu'ils sont tous colliés, c'est-à-dire que les flèches se dirigent entre elles, donc que ça fasse un U comme ça, et bah tu peux prendre la zone extra adverse. Par contre, j'ai plus de spadassin silencieux niveau 3, niveau 4. Par contre, je crois... Attendez. Ah. Non, c'est pas ça que je voulais. Je crois que ça a pas affiché le truc. Relaunch. No baka baka baka. Sébastien Bérami a fait un don de 1€. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Un super chat de 1€. Ou 1$. Non, c'est 1€. C'est sur le truc qui est... ça a été mal dit. Et du coup, on win. Kuribo, sphère Kuribo. Ebola. Waouh, incroyable. Salut Alex, ça va? Dis, j'ai déjà vu ta vidéo de comment bien débuter, mais tu as un conseil pour débutants sur du Lynx? Bah. Oh. Bah en fait, tous mes conseils sont dans cette vidéo. Arrête de spam que l'on voit pas tes questions. Nani. C'est mieux le Yu-Gi-Oh que tu joues. Ah, je préfère Duel Links personnellement. Mais c'est tout aussi bien. Du coup, on va passer à Yu-Gi-Oh GX. J'ai déjà terminé ça. On va le jouer comme un duel normal. On va sauter. Par contre, les gars, je tiens à vous prévenir. Histoire de deck. Ce duel est compliqué, puisqu'en fait, Crawler a un deck hyper pété et Jaden a un deck nul. Ce gif vient de quel anime? Comment s'appelle l'anime? Je sais que l'anime, c'est un petit peu Roméo et Juliette version Japon, quoi. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Regardez la pire main. Au pire, si je perds 3 fois, tu skips. Au pire, si je perds trop souvent, les gars, je sors mon deck Merce Fourrure pour vous faire une petite démonstration et après je le défonce. On va prendre Avien. Quoi faire en prio? Monter les phases ou les levels des persos? Bah les deux, en fait. Les deux se font en même temps. Puisqu'en fait, dès que t'as plus de duelistes standard disponible, donc il faut affronter tous les duelistes standards pour monter tes niveaux, et tu termines les phases pour débloquer, pour que les duelistes standards reviennent, après tu les affrontes et tu fais ça comme ça. Les deux se font en même temps. Bon, du coup, on a un sacré extra deck. Hein. On va poser ça. Et on va poser ça. Je regarde Arc 5, je trouve ça plutôt cool. Tu penses que faudrait que je regarde Vrains aussi? Oui. Je pense que... oui, faut le faire. Allez, go Merce Fourrure. Ah, pas encore. On va pas sortir Merce Fourrure. Pas tout de suite. Puisque là, c'est beaucoup trop vénère. Ah, si ça se trouve, en plus, il a brique. Si ça se trouve, il a brique comme Jaja. Et on va mettre le Sparkman à 1600. Ah, non, baka, Black Thunder, qui a fait un don de 5€. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hop, on continue notre attaque. Attention, Reactor Dragon. Il fait les combos rouages anciens avec la ville des engrenages, mais il a pas le Reactor. Je crois pas. Je crois qu'il a le dragon normal. No way! Alors Alex, j'ai raté quoi? T'as raté les deux derniers duels de Duel Monster. Putain, mais je vous hype Crawler en vous disant, les gars, ce dueliste est beaucoup trop fort, tout ça. Mais il fout rien. Battle phase. On va juste passer comme ça. Samedi, tu vas au repère du dragon? Non. Il aurait fallu que je sache qu'il y avait quelque chose au repère du dragon. Puisque au repère du dragon, c'est quoi? C'est le lancement de l'assaut des... enfin, un tournoi genre sneak peek pour l'assaut des profondeurs? Je crois.
Doc m'en avait... Doc nous en avait parlé. Les deux premières saisons de Vrain sont cool, la troisième vient de commencer, c'est pas trop mal. Mais il a réellement Brick, le con. Apparemment. Brick City! Bah, tu vas à la gate, tu affrontes à level 10, tu invoques deux rituels avec le personnage. Ah oui. On skip ça. Zoup! Vas-y, toi tu retournes. Pour la prochaine box, t'as pas un lien pour voir toutes les cartes à l'intérieur, car moi je sais pas où trouver. Non, y a pas de... On ne connaît pas toute la box. On connaît que 2-3 cartes. 4 ou 5 plutôt. Polymérisation! Et j'active la polymérisation! Et j'invoque... La moiseau de feu! Bon, on n'a pas l'animation du géant du tonnerre. On aurait pu. Mais je vais l'invoquer lui. Tu regardes quoi comme animé en ce moment? Les animés saisonniers. Hop, tous les animés de cette saison. Hop, on va le mettre ici. Sinon, rien de spécial. En ce moment, en fait, je suis en train de regarder un let's play sur Persona 5. Non, mec. Donc ça me bouffe du temps. Parce que je ne sais pas quoi regarder comme animé en ce moment, donc du coup, je me dis, allez hop, on va attendre. Je vais me relancer bien en animé plus tard. Hop, une phase. Ah, t'es passé à GX, ouais. Où sont les animations? Une animation de Thunder Giant, mais pas Flying Wingman. Et surtout que là, ça me bloque, je peux plus faire de fusion derrière. Fissure! Fissure! Let's go. Dégage. Hop, j'invoque. Oui, je vous avouerai que ce n'est pas très logique. Ok, oh mince. Il va nous invoquer un golem tout à l'heure. Ça va être terrible. Non. Je s'en fous. On attaque. Tu mates Tate no Yusha? Oui, je regarde Tate no Yusha. Moi, j'aime bien Tate no Yusha. Bonjour, où peut-on acheter le jeu? Tu peux retrouver dans la description de mes vidéos de Link Evolution le moyen de trouver le jeu, puisqu'en fait, il n'est disponible que dans le store japonais du Nintendo Shop. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Atelier rouage ancien. Ok, on est foutu. Hein. On est foutu. Et du coup, c'est une certaine manip. Mais en France, il sortira le 20 août. Voilà. Tu as vu Kimi no Suzuyo? Quoi? Attends. Si ça se trouve, oui. Mais en fait, le nom me dit rien. Hop. Attendez. Nouvelle fenêtre. Hop. Est-ce que j'ai regardé ça? Non, j'ai pas regardé ça. Et pour regarder ça. Votre adversaire a bientôt terminé son tour. Yes, il a libéré une place. Récupération de fusion. Récup fusion! On va récupérer la poly. On va récupérer Burstinatrix. L'attaque des titans, c'est vraiment bien en ce moment. Yes. Polymérisation. Activate! Attends, même sur GX, t'es en Master Rule 4, PTDR. Mais on est en Master Rule 4 sur tout le jeu, en fait. C'est terrible. Lui, je le détruis pas, hein, puisqu'il faut... Il a 4000, c'est ça? 3000, je veux dire. Bon, on appuie. L'attaque de cette carte pour le calcul. Les gars, on va essayer. Hein. On va tenter. Hein. On va tenter, les gars. Hein. Mais oui, 2400 plus 700. Oh, mais merde. Je pouvais... Ouais, la charge intrépide. Mais oui. Oh, merde. C'est chiant. I fucked up. J'ai un petit peu ruiné, là. En vrai, je pouvais le passer, son truc. Et il peut attaquer directement, hein. Ouais, il peut attaquer directement. Hop. J'attaque. Mais mec! Le retour du misplay, le miss létal! Strike the Blood, j'ai regardé il y a longtemps. Ok.
Kimetsu no Yaiba, je regarde en ce moment. Non, c'était loose. Bah après... Ouais, il aurait fait chaîne démoniaque pour annuler l'effet. Donc, RIP à moi, en fait. Ça ne changeait rien. Bah, attendez. Il va attaquer avec son chevalier sur un de mes monstres. Aïe. Ouais, ouais, dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et... déclarer un combat. Damage step. Damage au step! Charge intrépide. Allez, tu vas faire quoi? Tu vas perdre 500. À 1100, Gomer. The Promise Neverland, ouais, j'ai regardé. J'ai regardé. Oh, terrible. Ah, il a utilisé en main phase 2. Quel bolos. Bubble Man. Alors, c'est ça, vous ne devez contrôler aucune autre carte, ni avoir aucune carte dans votre main, ouais, c'est ça. Bon, j'étais mort aussi, hein. Votre adversaire reçoit tous les dommages de combat que vous aurez dû recevoir en combat. C'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi son effet? Un héros élémentaire et un guerrier de lumière capable de manier parfaitement toute une panoplie d'armes. Son éclair de haute luminescence barre la route à l'infamie. Yes. Ça avait l'air assez drôle, hein, comme effet. Go les défoncer avec mer souillure. Malgré le brick, Crawler va gagner. je réfléchis, hein. Je pense que c'est terrible. Mais en plus, il invoque son monstre en main phase 2. Le Bubble Man qui avait un effet OP dans l'animé, mais ils ont bien nerf en réalité. Mec, bourgeon! A chaque fois que cette carte inflige des dommages de combat, elle gagne 100 points d'attaque et perd 100 points de défense. Ça pue la merde! Ça pue la merde, cet effet là. Qu'est-ce que vous me sortez? Dégagez ça. Est-ce que je m'acharne contre Crawler avec ce deck? Ou alors je sors Mer Fourrure à la prochaine? Dites-moi. Parce que vous avez vu, il a brique comme jamais. Et il a réussi à retourner la situation. Bourgeon vient pas du manga. Mais en plus, mais le deck de Yugi, j'allais dire, de Jaden, n'a aucun sens là. C'est vraiment pas. Sors Mer Fourrure. Gem Knight. Gem Knight, j'ai pas l'engine près de la plante encore. Non, en fait c'est mort. Gratte-ciel. J'invoque spécialement Bubble Man en position l'attaque. Mer Fourrure. Hop, bat le Fazu. J'attaque. Bien dommage ça. Ok, on va sortir Mer Fourrure. En plus, j'ai clean farm lui. Hop, sauter. Deck de l'utilisateur. Utilisateur, Mer Fourrure. Ton deck est naze. Change. Bon, vous allez voir ce que c'est Mer Fourrure en TCG. Et il va perdre avec Mer Fourrure. En plus, je suis deuxième. Ouais, en plus, je suis deuxième. Et il a perdu. Bon, je... Oh, ça va, il m'a enlevé la... Et en plus, il brique encore. Allez, hop, whiz. Allez, hop, mets-moi ça. Vas-y, vas-y, dégage-moi ça. Mais j'ai pas besoin d'autant de peau des désirs. Oh, beat. J'active l'effet. J'invoque, donne pas. On s'en fout de son effet. Voilà. On va spammer le board, hein. Ah les gars, préparez-vous. Hein. J'active l'effet de Pit. De pénis, excusez-moi. Je vais tuto qui? Seal. Ouais, Seal. Seal, c'est mieux. Seal. Tiens, d'ailleurs, tu sais pas où trouver les one-shots des mangas? Aucune idée. Ne parle pas de ça, hein. Moi je ne sais pas. Du coup, je vais faire Danpa tireur Mer Fourrure. Dans quel ordre je fais ça? Là, je vais pouvoir regarder. Ouais, vas-y.
Rafale. Mais je vais pas perdre avec Mers Fourrure, là je vais l'OTK, là j'ai l'OTK là. Non ! Merde. Bon, je t'ai détruit lui. Rafale. J'ai tué mon propre monstre. Pourquoi je lis le chat ? Après vous me dites, mais Alex, tu lis pas assez le chat. Mais en même temps, si je lis le chat, je fais n'importe quoi. Bravo. Voilà, là j'ai pas l'OTK. J'ai tout ruiné. J'ai tout ruiné ! Oh merde. Putain. C'est de votre faute là. Il faut seulement acheter les structures si tu comptes le bail en 3 fois. Actuellement, Neos, Red Eyes et Ancient Gear sont de bons investissements. Exact. Je cherche pas des excuses de sac à main, Nani. Bon, en fait, il brille comme jamais aussi, donc ça va. Hop, Monster Reborn. Zop. Alors, est-ce que je fais... J'ai pas besoin de peau des désirs, mais vas-y. Peau des désirs, deuxième. Ouais, la pire main. Tout ça pour ça. Bravo. J'invoque Seal, d'abord. Voilà. J'active l'effet de beat. Ok. J'invoque Bravo. Bravo en attaque. Mille la moitié de son deck pour ça. J'ai Ghost Hogger, c'est pas mal. Est-ce que j'ai une cible pour Seal? J'ai une cible. Ah oui, bah oui, c'est. Au monstre que j'ai détruit. Tente pas. Il s'en fout de la chaîne. Il a. Ah oui, c'est vrai, il a la chaîne démoniaque. Il mange ses morts avec sa chaîne. Hein. Qu'est-ce que je top deck? Allez, un rafale. Putain, par contre, j'ai beaucoup trop. J'ai plus beaucoup de cartes en fait. J'active l'effet de Bravo. Non. J'invoque Wiz en plus. Tiens, vas-y. Wiz la. Je te plus. J'active pas encore ça. J'active l'effet de Wiz. Allez, je récupère plein de points de vie. Oh, plus de 1000. Hop. Folgo. On va utiliser toi. On va utiliser toi. On va utiliser toi. Et j'utilisais 3. Wizla. Quoi? Et Red Eyes est plus fort. On va faire ça. Bon, en vrai, là, j'extend à mort, mais c'est pas nécessaire. Bravo, pas encore. Je peux invoquer spécialement encore. Folgo, je peux l'activer. J'invoque Amer Sourire depuis mon deck. Elmer. Bravo, un autre. Ah non, il est en mode défense, on s'en fout. Vas-y. Pas encore. Pas encore, mec. Quoi? J'ai rien qui invoque, là? Merde. Vas-y. Allez, je vais reborner un truc avec ça. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé pour une invocation spé? Seal. Vas-y, j'ai pas dû utiliser ça. Non, c'est pas en ligne, hein. T'inquiète que... Là, je suis en train de martyriser un pauvre bot. Il peut rien faire. Hop. On invoque lui. On essaie de faire des trucs, hein. Là, ce... Voilà. Bravo! Cette fois-ci, je peux activer son effet. Rafale aussi, vas-y. Regarde les 5 premières cartes de mon deck. Et j'utilise pas l'effet de Ghost Hogger. Skill, un lien puissant. Bon, là, en fait, je regarde les 5 dernières cartes de mon deck. Et je vais voir ce que je vais rajouter à ma main. Ce qui n'est pas nécessaire. Bon, allez, vas-y, je le tue après. Il va me sortir... Ah non, c'est 4. Ah oui, j'ai deux fois le même monstre, je crois. Renfort de l'armée. Oui, j'ai deux bravos. Ouais, plus 500 pour tout le monde. Allez, invocation spéciale, allez. Ouais, ça. Boum, boum. Boum. Et boum. Ouais, tout le monde dégage. Dragon charge Borel. Et en plus j'annule une carte magie piège. Allez hop, battle phase. Tout ça pour ça. Allez hop. Skill beatdown avant nerf. Renfort de l'armée sur DL, non. Non, 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 c'est mort.
Allez, c'est bon, la vengeance de Crawler. On saute. Alexia. Quoi? Tu te rappelles plus de quoi? Ah non, renfort de l'armée est beaucoup trop fort pour DL. C'est quoi à jouer? Selon ce que tu joues, même si ça te fait piocher, ça peut te bloquer. Pas 8 coffres. Ah ouais, j'ai même pas eu 8 coffres à la fin là. What the fuck, guys? Alors que je l'ai BM à mort. Pot de cupidité. Renfort de l'armée. Non mais regardez, cheateuse. La cheateuse. Alex, tu penses-tu qu'un jour il y aura les monstres liens sur Duel Links? Dans longtemps, mais ouais. Même pas l'animation? Quelle honte. Hein, portail de fusion. Enfin, la fusion, je veux dire. Pas l'animation, on met ça. On met Spurkman. Position d'attaque. Et bête la phase. On attaque son monstre. Passe au doble. Je prends 1400 et j'attaque directement ses points de vie. Donc 1600. God Hand en face. Le typhon! Non! Comment ferais-je? Comment ferais-je? Elle joue cyber trancheuse, la nulle. Oh, deuxième patineuse à lame. Attention, là ça devient sérieux. Hein? Judge! À quel moment elle attaque directement elle? What? C'est le passe au doublé qui fait ça? Attends, là, aussi le monstre que durant le prochain tour. Ah ouais d'accord, pas mal. Pas dégueu hein. Portail de fusion. DMST. Du coup sur Duel Links, il y aura une ou deux zones extra, la vraie question. Bah, il y en aura deux, pourquoi il y en aurait une? Genre s'il y en a qu'une en fait les gars, ça veut dire que l'adversaire ne pourra pas jouer des cartes de l'extra deck. Donc il y en aura forcément deux. Ce sera le même terrain que dans Vrains. Portail de fusion. Le géant du tonnerre! Invocation! Tu as débloqué toutes les cartes sur le jeu. J'ai le jeu et je trouve que c'est super long d'avoir la monnaie pour acheter les packs. Alors, j'ai pas toutes les cartes sur le jeu, mais en soi, c'est pas trop compliqué. En fait, ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent, c'est juste... Oh, regardez! L'animation! Buzz d'éclair! Voilà. Gratte-ciel par contre. Voilà. Merci Netrix. Alex, tu as rattrapé Vrains? Nope. Nope, guys. Passe au doublé encore. Chou. Arrête de me faire des dégâts comme ça. Chou. Chou un peu. On va taper là-dedans là. Moins 1000. Main phase 2. J'active l'effet de géant du tonnerre. Je défausse Burstinatrix. Je détruis ça. Et on a une phase. Animation. Beaucoup de différences avec le premier à part les liens. Les animations améliorées. Les scénarios sont un petit peu différents. Puisqu'en fait ils incluent tous les DLC directement dans le jeu. Donc en soi si tu achètes le jeu le 20 août en version boîte tout ça, ça coûtera 40€ voire moins des fois. Et en fait, on va poser ça. Et je crois que le gars de chez Konami disait que genre si t'achetais tous les DLC, ça faisait plus de 100€. Et du coup, tu te retrouves avec le jeu, avec tous les DLC sur Switch pour 40€. Donc en soi, ça te fait une économie. Mais bon, les DLC étaient beaucoup trop chers de base. Donc pour moi, c'est faussé un petit peu. Oh, regardez, c'est très économique. Parce que on faisait des DLC extrêmement chers, beaucoup trop chers. Poli. De toute façon, j'ai ma zone Link prise. On va attaquer. Dans ce jeu, on peut faire le bug du shop. Quel bug du shop? Et du coup, en fait, pour avoir un maximum de thunes sur ce jeu, tu lances un duel et tu abandonnes direct. En fait. Ça te fait gagner plus rapidement de l'argent que si tu faisais des duels normaux. Genre par exemple, un duel normal,
Tu gagnes entre 1200 et je ne sais plus, peut-être entre 1100 et 1600 DP. Alors qu'une défaite, ça peut te rapporter 900. Ça te rapporte entre 700 et 900 DP. Donc en fait, le temps que tu fasses un duel, tu peux faire genre 4-5 défaites. Donc tu gagnes beaucoup plus. Chaleur! Intéressant, dommage pour ceux qui jouent pas sur la Switch. Du coup, faut acheter une Switch. Du coup, c'est beaucoup plus cher. Hop, battle phase. On va attaquer avec le chaleur. Suicide deck. Et du coup, c'est même pas un deck suicide. En fait, tu as juste à te. Tour 1, tu te mets sur ton deck et après tu le fais abandonner. Voilà. Et c'est génial. Hop, 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 hop. J'ai pas un nouveau booster. Le dueliste de l'ombre. Let's go. Histoire de deck. Deck Doppelpass. Doppelpass pour le prochain deck. Salut, j'avais vu ta vidéo sur Arc 5 et j'avais peur que le character design d'Alexia soit le même que dans GX, mais je suis rassuré. Ouais, ouais, il n'est pas le même. Il y a 2 ans, au début de Duel Links, je t'avais affronté en stream avec un deck Silverstein. Peut-être. Pandemonium. Mm-hmm. J'aime pas tellement le deck de Jaden au début, là. Il est un petit peu chiant. Le bug consiste à arrêter le jeu après avoir des boosters en restant dans le shop puis relancer pour avoir des DP. Eh B. Qu'est-ce que j'ai en fusion? Toujours les deux mêmes. C'est quoi ça? Gagner un nombre de life points égal à la moitié du total des life points que vous avez payé durant le tour précédent. Tout ceci me paraît bien compliqué. Sporkman! Sporkman Attack! J'aime bien comme tous mes adversaires ont tous brick, en fait. L'attaque de titan. Il est mieux que Duel Links ou pas? Je préfère Duel Links puisque c'est mis à jour en permanence et t'as plus de joueurs. Je vais poser Bubble Man. Le brick, hein! Le brick en face. Bon, ça nous permet de rush. Hein. Hop. Son deck est un mélange manga animé MDR. Tout à l'heure, sur un fight, ils vont te sortir Honky ou Dark Law. Non. Y a que le premier duel pour le tuto où ils ont mis n'importe quoi. Après, son deck reste assez fidèle à l'animé. Alex, ça va. Coucou, Alex, ça va mieux? Oui, ça va. Ça va très bien. Par contre, mettez-moi des vrais monstres en fait. Il fait les dégâts persans, lui. Hop, allez, on sacrifie nos deux monstres. Hop, hop. On est tranchant. Non, Duel Links, c'est gratuit aussi. Pourquoi tu... C'est quoi le rapport? J'ai pas compris le rapport. Bête le fazu! Attaque! Je me suis trompé la dernière fois, ce n'était pas métaphysique rose, mais subterreur rose, toujours dans le dragon rose noir. Comment ils font pour faire subterreur dragon rose noir? Salut Alex, que penses-tu du deck E-Hero? Héros élémentaire où? Dans Duel Links ou sur ce jeu ou alors sur ce duel? What? Monster Reborn, son premier monstre de la partie. Oh. Pas labyrinthe. Pourquoi il joue le pas labyrinthe? Sérieusement? Il va sacrifier son monstre. Oh, l'arc démon d'éclair. Oh oh, ça a 3000 points d'attaque. Ça passe au-dessus de notre monstre. Rugissement de l'arc démon, il paye 500. Il invoque le roi de la terre. Waouh! En fait, il est un petit peu comme Crawler, là. Il retourne la situation sur ça. Pas labyrinthe. Hein? Ah! Nani! Calm down, Titan! What? Brave Neos est quand dans le deck de Jaden? Brave Neos? Je suis même pas sûr que Brave Neos soit sur ce jeu. Brave Neos était dans Savage Strike, donc je ne pense pas qu'il soit sur le jeu. Epic Comeback. Mec, Epic Comeback, il me défonce là en fait. On pose ça, au cas où. Et on termine notre tour. Le deck héros dans ce jeu et ton point de vue perso sur le deck. Je
préfère héros masqué que deck héros. Héros pur est un petit peu chiant, parce que... Enfin, surtout l'ancien. Ok, il paye 1000 pour garder ses trucs, là. Reine infernale. Pas labyrinthe. Non. Hein? 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 Il va me mettre, il va me rester 200. Miss létale. Il est un petit peu miss létale. Hein. Enfin, ça changeait pas grand chose. Oh, plus 1000. Attendez, je peux pas poser des cartes là. Réincarnation de monstre. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai dans mon cimetière? J'ai rien pour faire des fusions. Je pose ça. Envoyez un nombre de votre choix d'un que vous contrôlez au cimetière. On va faire ça après. On va faire ça après. On va faire gratte-ciel. Vous pensez que si je tape avec la Burstinatrix, ça va passer? Ouais. Ça va passer. Ça va passer, je pense. Battle phase. On attaque. Ça veut son petit truc merdique là. Ça passe. Moins 800. Boum! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu dois sacrifier 800 plus... Ok, bon, il les garde. En fait, il faut juste que je survive le prochain, au prochain tour. Main phase 2. Poli! Les gars! C'est tendu. Je crois que je vais pas survivre. Mais j'ai que la fusion Avien Burstinatrix et... Hop, hop, hop. Allez, on envoie tout au cimetière. Plus 4000. End phase. Je crois que j'ai pas assez. Ah, il récupère 250. 250. Oh, mince. Moins 800. Moins 500. 850. Pas labyrinthe. 3000, 6000. Non, j'ai perdu. Je connais pas l'extra. L'extra, c'est juste l'homme oiseau de feu et le géant du tonnerre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on recommence. Hein. Histoire de deck. Tu aimerais un spin-off de Yu-Gi-Oh! GX avec Zayn de son entrée à l'académie jusqu'à l'arrivée de Jaden? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle à voir. C'est nul comme extra. Mais il respecte le... L'animé. Guys, voyons. Hop, on va placer la force de miroir face cachée. On va placer le Clayman face cachée. Et on va garder ça pour le prochain tour, on ne sait jamais, hein, s'il nous invoque un truc un petit peu trop chiant. Il n'y a même pas Tranchant et Sparkman. Mais parce que dans l'animé, il les avait pas encore sortis. C'est fidèle à l'animé. Les gars, s'il vous plaît. Tour DS. Vas-y, attaque avec ton truc. Mais je sais que je peux faire la fusion, mais j'attends de voir ce qui va me sortir. Ok, Bubble Man. Oh, les gars. Arrêtez de crier, s'il vous plaît, aussi. Polymérisation. Homme oiseau de feu. Hop, hop. On va faire ça. Même pas Shining Wingman. Oh, arrêtez. Après, vous allez me dire... Quoi? Il n'y a même pas zéro absolu dans le deck? Guys! L'animé! Quand feras-tu les présentations de deck sur ce jeu? Et feras-tu un deck Pelushimal? Pelushimal, c'est fort probable. Et la première présentation de deck sur ce jeu sera demain. Bubbleman, on va le garder pour plus tard. Hein. Ike! Moins 1000. Bouffe-toi les 1100. Voilà. Regardez ce bolos. Que penses-tu des dessins animés actuels? Fais-nous une vidéo sur le deck Berceau Gris. Comment ça, les animés actuels? Et Berceau Gris, ça pourrait être quelque chose à faire éventuellement. Je suis pas sûr en être faire, mais... C'est une piste à suivre, dirons-nous. Zéro absolu sur Duel Links.
Zéro absolu, c'est dans le manga. Voilà, justement. Donc ils vont pas nous le sortir. Fou des ténèbres. Allez, mets-moi encore quelques dégâts à ce guignol. On attaque à 1600. Et quelle sera cette présentation, Red Raptor, près de la plante? Près de la plante, j'ai pas encore tout ce qu'il faut. Red Raptor, je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Mais je pourrais le faire, je crois. En vrai, je pense que je pourrais faire un deck Red Raptor. Oh là là, Red Raptor. En vrai, je suis en train de penser à ça, mais je suis sûr que ça peut, je peux faire des trucs violents avec Red Raptor. Faudra que je teste. Sinon, on a Gratte-Ciel. Mais du coup, ce sera Merse Fourrure dès demain. Et Protecteur du Tombeau la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est les deux dont je suis sûr, puisque je les ai tournés cet après-midi. Vas-y, je garde toujours Bubble Man dans ma main, on sait jamais. Je sais pas à quoi ça pourrait me servir, mais en tout cas, sur le terrain, ça sert à rien. Hop, allez, tu vas prendre 2000 points de dégâts. Putain, mais l'homme oiseau de feu qui fait tellement le taf, rugissement. Allez, un votre monstre. Deck burn, merce fourrure, burn cool. Quoi. Sky Striker, je suis sûr de le faire, ouais. Sky Striker, je pense bien le faire, puisque... Parce que c'est les waifus. J'adore le deck. En vrai, j'adore le deck. Mais bon, c'est un deck compétitif, donc dès que moi, je vais le faire, je vais mal le faire et les gens vont me dire « Mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer! Il faut jouer cette entrap, il faut jouer cette carte, cette carte, cette carte, cette carte !» Et voilà, ça va terminer comme ça. Hein. Après, je vais plus rien faire, en fait. Hop, on va attaquer. Tu vas faire les présentations contre des IA ou des vrais joueurs? Pour débuter contre les IA, parce que, en fait, le multijoueur est extrêmement lent. Extrêmement chiant. Déjà c'est assez long de trouver une partie, puisqu'il n'y a pas énormément de gens sur le jeu. Et surtout, le jeu est lent. Déjà que je trouve Legacy of Duelist, je trouve que le jeu est un jeu lent de base, mais en multijoueur, c'est pire. Ouais, du coup, on a un nouveau booster. Ben on va aller checker ce booster, on va faire un petit opening les gars. Hop, j'ai 21 cartes pour l'instant. Plagiat, il faut copier les decks des top players, exact. On va faire ça. Ça pue la mort tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme dessin animé actuel que je conseille, c'est Star versus The Force of Evil, ou Star Butterfly en français, conseil, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! La sucker! This is the vampire, sucker vampire! Elle est beaucoup trop classe, j'adore cette carte. Quand on fera un deck zombie, quand on fera un deck vampire! Oh les mecs, je veux tellement jouer cette carte, la vampire aspirante. Pourquoi ils ne l'ont pas... C'est la suceuse! Ils ne l'ont pas appelée vampire suceuse en français, mais pourquoi? Je comprends pas. C'est relié, par contre il y a mon télébreu dans ce truc, donc ça c'est bien. Je te conseille No Game No Life. Bon, par contre, Kikin, je sais bien que tu as découvert No Game No Life en 2019, mais... Je pense que tout le monde a déjà regardé cet animé. J'espère. Sheridan! Ok, il y a les vampires ici. Tu as déjà regardé Plastic Nessan? Non. Tyranno Ultime Conducteur, ok. Est-ce que ça a jamais été limité, ça? Ok. Oh, combat en présence de l'empereur, ça c'est bien. Bien. Tu caches une partie par contre. Merde. Attendez. Ah! C'est bon. Vous voyez mieux. Lilith. Ok, grenouille d'arbre. Il y a Moki Moki, vampire JTM. Snow et statue d'éléphant, le first turn killing coming. Ah, c'est pas ouf. Oh, il y a le dragon bloc, c'est bien à utiliser dans Gem Knight apparemment. Palais du seigneur élémentaire. Oh, il y a les seigneurs. Enfin. Seigneur élémentaire. Les seigneurs élémentaires dans ce. Les éléments sabres, voilà. Duc vampire. Renette ou grenouille d'arbre? C'est Renette. Vamp vampire. Bonsoir, je découvre le jeu. Alors, il est bien ou pas? Yes, il est très très bien. Élément sabre, ce sera un truc à tester. Il me semble que le deck est vachement drôle. Oh mon dieu, c'est horrible. Alex avait deux têtes à un moment.
Ryu Senshi. Par contre, c'est bizarre. J'adore tes vidéos, tu pourrais faire un deck pendule. Pas dans l'immédiat, mais ce sera prévu, ouais. On va dépenser 10 000 et... Graffa ! On va dépenser 10 000 et après on repart sur le scénario. Vampire, c'est mon main deck préféré. Oh, guys ! Infini éphémère ! Oh, guys ! Elle était dans ça ? Oh, baby ! Yes ! Ça, c'est pas mal, hein. C'est chiant qu'il sort que le 20 août. Bah, t'as qu'à l'acheter sur le store japonais, comme je l'ai fait. Voilà. Puisque ce sera la même version que... Les deux seront la même version. Ah, mais c'est vrai, il y a les Dino Luther ici. Bon, ça pue la merde, puisqu'il y a pratiquement rien, mais ouais. Ombra Mirage. Sheridan, encore. Alex, penses-tu qu'une mise à jour du deck Bedlayator avec les mécaniques de jeu actuelles, création des cartes, excise, lien, serait bien dans la méta? Comment ça? Il y a une carte monstre Link Bedlayator. Donc je peux refaire une nouvelle version de Bedlayator avec les nouvelles règles. Ça pourrait être drôle à faire. Mais surtout que dans la prochaine extension au Japon, donc c'est sûrement quelque chose qui sortira peut-être fin d'année pour nous. Je pense que ce sera l'extension d'octobre-novembre pour nous. Il y aura plein de nouveaux supports Bedlayator et ça fait vraiment plaisir. Et du support Aromage aussi. À quand une participation au club Yu-Gi-Oh? Ah, je sais pas, moi. Franchement, je sais pas. Hein. La plupart des archétypes ont leur monstre lien maintenant, de toute façon, non? Une bonne partie, pas tous. Quelqu'un pourrait m'aider pour le deck L noir sans le perso? Yeah. Ça va jusqu'à quelle extension? Ça va jusqu'à... Aiden... Attends, les invocateurs cachés, donc en soi, c'est jusqu'à fin 2018 pour nous. Et sachant que dans le jeu, il n'y a pas les exclusivités TCG, donc il n'y a pas les Danger, il n'y a pas les Valkyries et trucs comme ça. Bon, ouais, c'était le dernier booster. Franchement, il n'est pas ouf, en fait, ce booster. Il y a 2-3 archétypes sympas, mais sinon le reste... Un duel pour Cyrus! À quand une Link pour le deck Moki Moki? Penses-tu être meilleur dueliste que Xari? Ah, il m'a battu à l'invitational, donc probablement. Est-ce qu'il y a plein de cartes harpies dans le jeu? Il y a plein de cartes harpies dans le jeu, mais il n'y a pas les nouveaux supports de... qui sont sortis en janvier pour nous. Oh! Un jour de paix! Alex, tu pourrais faire un deck maître dose, c'est le grand koala. Non, je pense pas. Non, vous pouvez invoquer spécialement une larve. Ok, on va poser la larve cyber. Et on va terminer le tour. Y a pas les danger. Oh super, je vais kiffer. Je sais que ça peut plaire à certains puisque c'est un... Moi j'aurais bien aimé avoir les danger, mais bon, malheureusement non. Pourquoi Zayn a la classe pour toi? Parce qu'il a la classe et il a le meilleur deck. Cyber dragon, mec. Larve cyber, non! J'active l'effet de larve cyber. Je place une autre larve cyber en mode défense. Pourrais-tu faire un deck Ojama? Ce serait quelque chose à faire. En plus, il y a plein de nouveaux supports. Enfin, plein de nouveaux supports. Moi, quand je dis nouveau, c'est par rapport à l'ancienne version Legacy. Hein. Mais du coup, il faut un cyber dragon au cimetière. Bien dommage. Même phase. Genre, Il y a plein de nouvelles cartes Ojama à faire pour le deck, ça peut être bien. Cyber Ténébreux, tu oublies? On peut faire la nouvelle version Cyber Ténébreux, avec les cartes des duelistes légendaires qu'il y avait eu à une époque. Il n'y a pas la Link Ojama sur ce jeu, je pense pas. Le Miss Létal.
J'allais dire, est-ce qu'il y a une Link Cyber Dragon? Mais oui. Et en plus, elle doit être sur ce jeu, je crois. Hop, on va mettre ça. On va détruire ça. Quoi? Ah, mais oui. Je peux faire un dragon. Moi, en fait, dans ma tête, j'étais là. Oh, mais je vais faire un Cyber Dragon ultime. Mais absolument pas. Tiens, on va faire ça. Bon, j'étais mort. Hop, Cyber Dragon jumelé. Mais que fait-il? Vas-y. Est-ce que j'ai l'étal? Non, j'ai pas l'étal du coup. Y a pas une ligne pour Six Samouraï ou Naturia? Six Samouraï, y a, mais je ne suis pas sûr qu'il soit sur le jeu. Naturia, je ne pense pas. Alors, usine de cyber réparation. Hop. On va chercher un monstre. Il avait pas tout ça à l'époque, le Zane. Hein. Si tu as l'étal. Ouais, mais avec des fusions. 4600. Est-ce que... Je suis pas sûr, 3200. Non, j'ai pas l'étal à 200. Ah mais si, il fallait mettre la larve en position d'attaque. C'est bien dommage. C'est bien dommage, ça. Il y a une ligne pour le deck à hommage, ouais. Mais je sais pas si elle est sur le jeu. Je sais pas si elle est sur le jeu. Je lui dis pas tout. Hop, allez, tu dégages. Cibler un monstre fusion sur le terrain, envoyez un appui. Si tous les matériels fusion qui ont été utilisés pour son invocation fusion sont dans le cimetière, vous pouvez invoquer spécialement. C'est parce que lui, c'est pas un cyber dragon dans le cimetière. Petit bâtard. Voilà. Terrible. Ce moment de flottement est très gênant. Aïe, 2800. Surtout qu'il peut faire le comeback. Bon, après, j'ai un Cyber Dragon Dry. Finalement, j'ai bien fait de lui dire. Aïe, aïe, aïe. Oh! Oh! Bubbleman, ok. Il pose toutes ses cartes. J'avoue avoir oublié. Non, larve cyber! Alors, le Dry. Cyber Dragon Dry. Cyber Dragon Dry. Pourquoi d'un coup il se dit tiens, je vais poser toutes mes cartes. Pour rien. Même phase. Tu as raté rien du tout, Ego. Quoi? Ouais, j'étais parti manger, alors j'ai raté quoi pendant ce temps? Un opening de malade. Oh, gratte-ciel, du coup il va pouvoir détruire mon monstre. Cyber Dragon Drive McDo. C'était pas drôle. Mais du coup, on va partir sur un Nova. Hein. Oh, Cyber Dragon. Regardez, nous allons faire une invocation Excise. Cyber Dragon Nova. Plus Cyber Dragon... Non, en fait, j'active l'effet, il passe niveau 5. Invocation Excise. Ça marche pas. Judge. Il y a triche. Tiens, bouffe-toi ça, Jaden. Voilà. Avec Infinity FMR. Hop. Je crois que le chat essaie de rentrer dans la chambre, mais j'ai fait... Ouais. J'ai mis une barricade. Il peut pas passer. Franchement, s'il passe, c'est le boss. Et... ce serait beaucoup trop le boss. Hop, histoire de deck. Quand on débloque Akiza, on reçoit quoi comme carte? Tu me parles de quoi? Pourquoi t'es surpris, MDR? Les Exis n'existaient pas à l'époque. Ouais, c'est vrai, bien sûr, je suis surpris. Rank up Exis change! Fallait ouvrir les packs. Y a pas de nouveaux packs. Alors, Shad. Je ne sais pas ce que fait le chat. Il fait des trucs. Bon, du coup, il sort un chevalier feu de forêt.
Cabazol. J'ai pas besoin de tuto, j'ai tous mes hydroguédons, oxyguédons, tout ça. Allez, dégage-moi ça. Quoi, les Xyz n'existaient pas, Alex, t'es sérieux? Désolé de vous apprendre ça. What, incinérateur envoyé au cimetière. Oxyguédon. GG, tu invoques le dragon de l'eau. Let's go, hein. On part sur ça. Mangiome fonda. Le dragon d'eau est facile à invoquer. Bien sûr. Mais what the fuck, Alex, tu mets à tes abos? Quoi, tu mets à tes abos? Je viens de regarder le début de l'épisode 1 de Plastic Nessan et tu rates rien. Je viens de voir une lycéenne exploser ses congénères à l'aide d'un tank miniature disposé sur sa tête. C'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ah, je mens. Tu mens à tes abos? Yes. Mais tout le temps. Du coup, je vais invoquer Hydrogaiden. Hydrogaiden. Stay hydrated. Hop, on va taper ici. On va détruire un Ghost Supreme Baseball. J'active l'effet de Hydrogaiden. Je vais invoquer un Hydrogaiden depuis mon deck. Dragon de l'eau! Mince, j'ai pas la magie. Là, on parle du deck de Bastien, le mec qui n'a jamais gagné. Mais si, il a gagné, mais juste ce duel. Garde du précis, le monstre ne peut pas être détruit ce tour-ci, je crois. J'attaque! C'est pas ça que je voulais faire. Ah. Invocation infernale téméraire. Chevalier feu de forêt. Chevalier feu de forêt. Et moi, je peux rien invoquer. Si, Oxyguédon. Et j'invoque Oxyguédon et Oxyguédon! Regardez ça! Regardez tous les dragons de l'eau que je peux invoquer. Les mecs dans Duel Links qui ont le dragon de l'eau en playmat, c'est des malades. Ouais, on va continuer à attaquer, mais on va attaquer ici. Je trouve que c'est un bon board. Hein. Mais qu'est-ce que... Pourquoi... À un moment, il va nous sortir un monstre feu qui s'invoque en retirant du jeu des feux depuis le cimetière. Je vais rien comprendre. Et j'attaque! Oh, ça ne passe pas. Je ne comprends pas, alors j'attaque! Oh mince. Ce n'est pas vrai, il a gagné contre le deck Amazonas. Non, il s'est fait bolos et du coup il est tombé amoureux. Il y a le dragon de l'eau rassemblé. Le deck dragon de l'eau rassemblé, ce serait quelque chose à faire aussi en présentation de deck sur ce jeu. En garde précis, mais c'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Battle phase. Toi, tu fais quoi? Okay. Ouvre ça. C'est d'actonien, donc du coup je vais subir des dégâts. Je vais subir 400. Waouh! Hydrogaiden. Explosion ctonienne. Détruisez le monstre face recto sur le terrain avec la plus faible attaque. Aïe, je prends 800. Aïe, tu prends 800. Je comprends pas en fait l'intérêt de son deck. Deck manga de Bastien pourrait être marrant à faire aussi. Avec les zombies, tout ça. Je sais pas. Je sais pas s'ils marchent entre eux, en fait. Il est quelle heure, là? Oh, ça va. Bien joué, Chad, mais c'est insuffisant. Oh, nouveau booster! En fait, je crois qu'au début des scénarios, on gagne un booster... Non, c'est pas ça. Mince, le spoil! Pas ça. Magasin de cartes. Ici. Let's go. Regarde enfant. Il a gagné la cérémonie d'entrée. C'est vrai. Canon de catapulte. Dragon armé. Eh ben, c'est compliqué. Canon, catapulte, dragon armé. C'est ça? Ah oui, c'est ce monstre-là. Incroyable. Du coup, on a les farces gamins en plus. Dès que farces gamins, ce serait drôle aussi à présenter. Tellement de decks à présenter de toute façon. Ténèbres absorbantes. Penses-tu faire des réactions à des séries? Ce serait drôle, non? Ce serait compliqué niveau copyright. Ce
serait drôle à faire un jour. Mais... ce niveau copyright, c'est mort. Hein. Puisque je pense que l'intérêt de faire ce genre de truc, c'est que vous voyez aussi un petit peu la série. Et après, sur YouTube, les gens, ils vont arriver, ils vont dire « Ah ! Mais vous avez mis l'épisode sur votre vidéo. Bah, du coup, on va vous striker. Vous n'allez plus gagner d'argent. Vous allez finir à la rue. » Go Deck Force Arcane. Orknuffles. Y'a quoi comme archétype? Décision douloureuse, c'est pas mal. Y'a quoi comme archétype dans son truc là? Y'a rien. Y'a Spirit, Dragon Armé, Force Arcane. Le deck transparent. Ils vont te sky striker. Ah si, bah ouais, Force Gamin à la limite, mais. La fusion Dragon Catapulte est très facile à invoquer sur Duel Links, mais bien sûr. Il y a les monstres level aussi. Pas convaincu, hein. Pas très convaincu par tout ça. Le chauffeur combat farce gamin. Ah, il y avait du support au Jama aussi. Il y avait le duo au Jama. Amaterasu. Mais pas au Jama et Dragon Armé. Esprit karaté, Kuro, machin. Cosmo. Y'a chenille! La chenille! Attaque ses ennemis en crachant de fines toiles gluantes! Putain, le meilleur monstre de ce jeu, quoi. Ce booster de Shad is a prank. On s'arrête à 55 000, hein, puisque son booster, c'est le pire. Ah, il est Shino Baron! Il est Shino Bizo! Dark! Durku! Simorg. Encore deux boosters après celui-là. Suishi. 3. On va dire 3. C'est le pire booster! Y'a rien! La chenille est plus forte qu'un Kuribo. Exact. Ojama bleu. Après, il y a tout le support Ojama là-dedans. Hein. Ça, oui. Oh, choix douloureux! C'est drôle, ça. Ça, c'est assez drôle. Hein. Et c'est pas là ça. Ok. C'est bien la merde. Et j'ai eu quoi? 145 cartes. C'était bien de la daube. Bon, un duel infernal. On va ressortir le deck héros élémentaire. Appelez Jean-Tony. Insecte ultime. Oh, ce booster incroyable. Je me demande si pour l'événement de Kiryu, premier à jouer, oh, je sais pas si j'aurais dû faire ça, ils vont nous donner un tapis de jeu avec Kapakapu en fond. Tu penses qu'il y aura des protège cartes, tout ça pour son event? Déjà, si le Kapakapu est son Ace Monster, si tu l'invoques 100 fois, tu auras le playmat. Et si tu gagnes 100 duels avec Kiryu, tu auras la sleeve. Forcément. Masque de la nuit. Dark Shroud. La grosse mythe. Tous les héros en main. Ah, par contre, on a plus de cartes dans l'extra deck, là. Habileté de l'invocateur. Bah, vas-y, va chercher un dragon de rose du rouge. Ancien règlement. Cheater! Judge, il a invoqué sans sacrifice! C'est une ancienne règle. Lance dragon. Ça! Ouvre-toi 100 points de dégâts. Et en plus, passe en défense. Pose une carte. C'est tout. Ok. Polly, please. Eux appellent les détresses. Non. Alors. C'est surtout le tranchant sauvage que j'aimerais bien avoir. Et le reste. Ok. Eux appellent les détresses. Il n'y a pas le slash. Brûlez-le. Un autre cœur farouche. Ah, ça me fait penser, en parlant d'anciennes règles, t'as maté Akiba Strip. Akiba Strip, ça me dit quelque chose. Je vois le jeu, et je crois que j'avais commencé à regarder l'anime, j'ai dû regarder un ou deux épisodes, et après j'ai pas continué. Je sais pas. Ça ne m'a pas accroché. Moi personnellement, j'attends les chroniques du dueliste GX pour la saison 3, ça va être ouf.
Est-ce qu'il y aura dans les prochaines... Qu'est-ce qu'il y aura dans les prochaines semaines sur Duel Links? Ça, fallait regarder les notifications, hein, puisqu'il l'annonce, ça. Jugement silencieux, les gars. C'est sympa, mais bon. Je vais poser. Oh, mince. Tu devrais continuer à Kiba Strip, c'est super drôle. On verra. Ton boss monster préféré dans GX? Lui? Non, absolument pas. Je sais pas. Je suis mort. Hein. 900... Ouais, je suis mort. Il pourrait pas y avoir des chroniques de duel pour 5Ds? Je pense qu'il n'y a pas encore assez de personnages pour faire les chroniques de duelistes 5Ds. Un jour, ils le feront. Let's go, on repart. Hein. Sur DL, ils vont peut-être ajouter un skill de turbo-duel. Bah, ils ont déjà fait ça, le skill de turbo-duel. Hein, certains événements. Mais bon, ça a vite ses limites. Quel est ton archétype préféré? Seigneur Lumière et Best Gladiator? Mais où sont les polymérisations? Jaden! Ah bah il nous fait le même start. Il nous fait le même start. Sur DL, ils vont peut... Ah non, c'est déjà lu. Chronique de Duel 5-10, quand on aura quelques Dark Signer. Les gars, sérieusement. Annulation d'attaque, ça c'est bien. Gratte-ciel. Le chat est à la porte. Est-ce qu'il arrivera à déjouer la sécurité que j'ai mis? Je me pose bien la question. Tu ne rentreras pas! Tu resteras dehors! Allez, bouffe-toi 800. Par contre, il invoquera un Red Eyes au prochain tour. Chevalier noble et thème équilibre, c'est plus rentable. Ça peut se jouer comme ça. Pas forcément, mais ça peut se jouer comme ça. Mince, vouivre aux yeux rouges. Ça, je m'y attendais pas. Ah, lance-dragon. Ça non plus, je m'y attendais pas. C'est marrant qu'il passe direct du duel entre Shad et Bastien au Cavalier de l'Ombre. Y a pas des duels avant? Ouais, mais des duels pas intéressants. Donc il trouve pas assez intéressant pour mettre ici. Ouais, mets-moi tout ça en mode défense. Je pense que dans DL, le prochain perso à ajouter dans GX, ce sera Isidore, ce serait cool. Ça, il ajoute Yubel au portail. Les mecs! Ah, viens! Vas-y, je mets Avien, mais bon... Avien, attaque! Mais en vrai, la barricade que j'ai fait arrive à bien bloquer le chat, et ça, c'est cool. Puisque le problème avec le chat, c'est que des fois, il pisse dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Il pisse là où il y a ma Switch. Ça, c'est problématique. Normalement, sa zone pour faire pipi caca, c'est la cuisine. Il le sait. Il vient pisser là-bas, des fois en dehors de sa litière, mais il pisse que là-bas, normalement. Et là, ça fait déjà deux pipis qu'il a fait ici. Donc, c'est un petit peu chiant. Et surtout, il a la technique maintenant pour monter sur mon lit. Et alors là, le chat qui monte sur le lit, c'est terrible. C'est terrible. Puisqu'il vient me bouffer. Il est là, il me griffe et tout. Je suis là, mais mec, dégage. Et sauf que après, j'ai beau l'emmener dans son lit, il va revenir et après... Attends, les mecs, il m'a réveillé à 6h le matin, quoi. Il m'a réveillé à 6h ce matin. Donc du coup, il faut vraiment... Ouais, t'as rien entendu. Il faut vraiment que j'arrive à... Pour avoir à éviter de barricader ma porte pour qu'il évite de rentrer. Il faut vraiment que je passe mon câble Ethernet dans le mur, parce que sinon... Ton chat, à quel âge il doit... Je sais pas, il doit même pas avoir 2 mois. Il va faire bugger le live, surtout. C'est là que tu vois que le héros élémentaire old school, sans l'effet dessin animé, c'est dégueu. Oh! J'allais dire, les gars, on va faire plein de fusions! Master Rule 4. Master Rule 4. C'est bon, on va le défoncer quand même, mais bon... C'est à cause de ton odeur. Le chat qui va arriver en sneak sur les câbles et RIP le live.
Non mais des fois je suis en train de me regarder une vidéo, un animé, et bizarrement je me dis, tiens mais pourquoi ça charge plus alors que j'ai la fibre. J'enlève le plein écran, je vois que j'ai plus internet, je fais... Et après je passe ma tête en dessous du bureau, je fais... Espèce de petit con, va. Qu'est-ce que tu as fait? Et après il vient me mordre les pieds. Comme si ce n'était pas déjà assez. Hop. Le chat regarde le live et va te streamac. Victoire! Allez hop, ça passe, comme une lettre à la poste. 1144. Le hurlement des ténèbres. Allez, Jaden contre Camilla. Et diffusion correcte, mais trop de monstres normaux sans intérêt qui plombent le deck. Est-ce qu'il y a une vidéo où tu présentes un deck Harpy dans Duel Links? Bah en fait, si tu tapes Alex Yuki deck Harpy Duel Links, tu devrais trouver mes différents decks Harpy. Après, il y en a qui sont assez old. Je crois qu'Ankara a fait une version plus récente du deck Harpy avec le dénerf. Après, c'est Harpy Hero. C'est un mélange des deux. Ce n'est pas purement Harpy. Toujours pas de nom pour le chat. Mais si, le chat a un nom depuis longtemps. Il s'appelle Taiga. Stratos! Guys! Herman! Ils ont sauté les duels entre Camilla et Crawler et Zayn, les salauds. Ouais, c'est sans importance. Sage fusion, trappe sans fond, ça dégage. Un de ses effets. Force de miroir, à quoi ça sert en 2019, force de miroir. Dis-lui qu'il y a une playlist pour tes présentations de deck. Aussi, ouais, il faut aller voir ma playlist des présentations de deck. Sage Fusion! Polymerization! Il faut Herman sur DL. Calmez-vous. Hermano! Vas-y, Hermano! Hop! Ajoutez un héros depuis votre deck à votre main. Qu'est-ce que je peux ajouter? Rien en fait. Que des trucs nuls. T'as appelé ton chat selon mon pseudo? Pourquoi une telle haine? C'est toi qui as plagié le nom de mon chat en fait. C'est ça en fait. Hop, polymérisation. Ouais, c'est vrai que Revolver joue Force de Miroir. Tu as raison. Ça sert en 2019. Pourquoi pas Brume aussi tant que vous y êtes? J'avoue, Shadow Mist. Faut mettre Shadow Mist dans DL. Attendez, on a 13 cartes dans notre extra deck. On a que des cartes de nul. Battle phase. Herman, vas-y, tape là-dedans. Sorcier vampire. Je suis pas sûr que Camilla elle joue ce monstre, hein. Ça elle joue, ça, Seigneur Vampire. Je crois. Je me demande ce qu'on aura après les links. Je ne l'ai pas encore, donc ça. Est-ce qu'il y a la super police sur DL? Calmez-vous. Calmez-vous. Après, est-ce que super police sur DL, ce serait très fort? Ah, dans un deck héros, ça pourrait être... Vasaki Saki! No! Mirror Force. Regarde-moi ça. Hein? Judge! No! Oh, mince. Le Saki Saki, non! Non! Clayman. Dommage que sur DL, même l'extra à 7, oui, on peut en ajouter une après une courte mission. C'est parfois pas suffisant. Il y en a 6, hein, des extras sur Duel Links. Pas 7. Bon, il va nous permettre de tempo, Clayman. Suck you hard. Ouais, calme-toi. Renfort de l'armée, va me chercher un deuxième Stratos. Il en joue 3. Même pas. Tu me déçois.
Tu me déçois fortement. Cœur farouche. Il y a les 6 de base plus la compétence d'un perso qui en ajoute une. Non, c'est pas ça. Ça rajoute un monstre dans l'extra deck. Mais c'est pas... Ça t'ajoute pas un slot. Bon, tu te retrouves avec un extra deck de 6, mais c'est pas toi qui choisis... un extra deck de 7, mais c'est pas toi qui choisis la 7ème. Non ! Oh mince. Stratos est limité à 1. Ouais, tu crois qu'il se soucie de la banlist sur le scénario ? Mec, il y en a qui m'ont sorti 3 pots de cupidité. Genre, non. Terrible. Je sais pas ce que je pourrais sortir comme top deck là. Hein. Rien, je pense. Oh, usine de production des masses de masse de ténèbres. Sorki. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais poser la Burst Signatrix. Et je vais attendre d'avoir le géant du tonnerre. D'avoir une police pour le géant du tonnerre si j'arrive à survivre d'ici là. Le héros de la destinée est tellement dommage qu'il ait fallu attendre Arc 5 pour qu'il soit enfin puissant. On a perdu. En plus, ça meule les cartes là. Mais Jaden, je ne sais pas où il met ses polis, hein. Mec, en 18 cartes, on a eu une poli, je crois. Ah oui, on a eu une poli. Genre, mais mec, c'est terrible. J'ai Dex Air Oracle. Mais du coup, Konami s'en fout littéralement, même si moi je les veux sur DL, mais bon. Et voilà, fin de l'anime, Jaden est devenu une poupée. Oui, Quasar, avec les 3 zones, c'est impossible, c'est vrai, mais Shooting Star, il y a clairement moyen. Second à jouer. Jaden met ses polis dans ses manches comme Barandi. Oh, il a vive la liberté! Ça, c'est drôle. Ça, c'est vachement drôle, par contre. Oh, on va faire les trucs drôles avec. Invitation des ténèbres. Oh, putain. J'ai cru qu'elle allait nous faire Invitation des ténèbres, ces 2 cartes retirées du jeu. Typhon d'espace mystique. Que je détruis. Je détruis ça, ça me fait un petit peu peur. Pas de les tenter. Renfort de l'armée. On va chercher Stratos. On va poser Vive la Liberté. On va invoquer notre Hermano. Hermano, activez l'effet pour aller chercher un héros depuis le deck. On va aller chercher... Tranchant, comme ça on pourra faire une fusion après. Tu as vu le nouveau support pour les esprits de la terre immortelle et pour les héros du mal? Ouais, dans les prochains duelistes légendaires, ça va être le feu. Ça va être le feu. Là franchement, Konami, il sert de bons trucs hein, pour ce dueliste légendaire. Et en plus, dans la prochaine extension, enfin dans l'extension de fin d'année, ils nous sortent du nouveau support Badgerator et Aroma. Franchement, c'est pas mal. Mince. Et tu vas me dire carte magie. Ah ouais, il y a 3 polis. Qu'est-ce qu'on envoie au cimetière? Vas-y, ça se dégage. Ça sert à rien, ça. Jaden et Norz. Quoi? Hey! Judge! Non! Judge! Oh. Mais les pires... Eh, franchement, son deck il me saoule. Franchement, le deck de Jaden est merdique. Et je pioche jamais les polis. Judge, elle joue bien. On est marre. Sorcier, vampire. Vamp. Mais non, la suceuse là. Yo, Alex, je voulais te remercier pour tes vidéos. Ça m'a bien aidé à reprendre Yu-Gi-Oh! Eh ben, je t'en prie, Poney Magic 13. Sacré pseudo. Je t'en prie. Gratte-ciel.
Bon, si jamais on fait une fusion... C'est à quel moment que ça rajoute 1000? Pendant le calcul des dommages. Ok, du coup c'est bon. Alors, on va faire cœur farouche. On va faire battle phase. En vrai, c'est peut-être mieux que je tape sa vamp. Alors, on va taper la vamp. Voilà, les deux sont détruits. On a une phase. Et ce mec est le héros. Quoi? Seigneur vampire. Bon, il va vider mon deck, mais... Oh là là, 2500. Tu vas dire quoi? Oh, mais non, il va vouloir vider mes cartes magiques. Terraformation, dégage. Yes. Oh là là, mais elle a un bon deck vampire! Dame vampire. Ah, carte piège cette fois-ci. Oh! Mais pourquoi j'ai pas toutes ces bonnes cartes là? J'ai 4 forces de miroir et un trou noir, je vais pas le piocher là, bien sûr! Poly! Polymerization! Ça marche pas. Ça marche pas! Ça va pas me faire gagner, puisqu'en fait son seigneur vampire gagne 500 avec la carte magie de terrain. Hop, voilà, ok. Hop, battle phase. Bon, on va taper ici. On va faire 50 de dégâts. On va lui faire 1550 de dégâts. Et on va terminer le tour. Camilla, elle a pas domestique, familier et grâce. Mais t'inquiète qu'elle va nous les sortir, on va rien comprendre. Ah ok, il peut attaquer directement. Yes. C'est vachement génial. C'est génial. Yes. Camilla a un deck cheaté là. Balade potartiste. J'ai vu le deck qu'elle a. Second à jouer encore. Second à jouer, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je cache pas les cartes là. En vrai, absolument pas. Je peux laisser la cam là. Ok. On a Herban en main de départ. On a Poly en main de départ. Poly. On va faire la petite Poly, homme oiseau de feu. Hop, on va fusionner les deux là. Les vrais se souviennent du deck de Blair dans Tag Force 2. Un enfer à jouer avec elle. D'égal deck déjà. Homme oiseau de feu, ici. Poly, main de départ, les gars. Ça, c'est dingue. Herman, détruis une magie piège. Vas-y. Détruis-moi ça, là. Je sais pas ce que c'est. Ça devait être hanté. Je m'en fous d'aller tuto un monstre guerrier. Parce que, de toute façon, j'ai le renfort de l'armée. Et ça me sert pas grand-chose d'avoir 15 000... On va prendre Clayman, faire un géant du tonnerre à un moment. Y'a Shining Flame dans l'extra là, non? Ah oui, il est là. Ouais, il y a. Ah, j'aurais dû prendre une Burst Sinatrix. Si j'avais su. Et explose là. 1550, et on tape à 1800. J'aurais dû prendre la Burst Sinatrix. Si je top deck et une Poly, je l'aurais mal un petit peu là. Avec Blazeman, tu aurais win depuis longtemps. Ok, vas-y, rappelle ton monstre. Ça nous met pas bien non plus, puisque si elle a le terrain... Ah non. On voit un monstre, mais bon, elle l'a pas. Ben voilà, quand on a une bonne sortie, ça rigole moins, hein. Hein, ça rigole moins, Camilla. Pas besoin de Burst Sinatrix. Pas Burst Sinatrix. Mais oui, je suis con. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dit Burst Sinatrix. Non, il fallait pas Burst Sinatrix, c'était Sparkman. J'ai rien dit. Je sais pas, je confonds les matériaux de fusion. Excusez-moi. Pas
Pas besoin de bursting astral. Ouais. Il y a les links, etc. dans ce jeu. Oui, pas dans mon deck, mais oui. Papa. Oh, le booster de Cyrus! Guys, le booster de Cyrus, let's go! Ah, oh, toujours pas ça. Oh. Spoil du deck de demain. Mon message a bug encore, je crois. Je sais pas, t'as. Exact, mais c'est des compétences, non? De quoi tu me parles pour les compétences? Dragon cyber ténébreusement! Voilà, c'est. Ah, il y a Ange déchu! Ange déchu et cyber ténébreux dans ce booster, déjà on est bien. Le deck jeune fille amoureux, 400 points d'attaque et 400 points, et son effet. Oui. Ça m'a l'air drôle. Ah, bête spirituelle est là. Dans ce booster, ça peut être drôle. Bon, et bien sûr, il y a les roïdes. Cyber Dragon Fear. Pierre. Dragon Carnage. Ils vont mettre Adrian, Jim et Alex, les persos GX dans Duel Links. Moi, je serai pas dans Duel Links. Mais les deux autres, vu que toutes leurs cartes sont déjà dans le jeu, je ne pense pas. Quoi, c'est pas impossible, mais. Cyber Dragon Ultime, ouais. Cyber Dragon 4, c'est prononcé à l'allemand. Oui, t'inquiète. Je le sais. Ouais, bref, je sais. Ça fait Cyber Dragon 1, 2, 3, 4 en allemand. Nuage 1, tiens, en parlant du loup. Ange déchu, archétype qu'on ne connaît pas si on lit pas le manga. Ange déchu, c'est joué par qui dans le manga? Un mec qu'on connaît pas du tout ou... Enfin, un mec qu'on connaît pas du tout, un mec qu'on connaît pas si on n'a pas lu le manga. Cyrostratus. Ah, un cyber dragon jumelé. Les supports pour les jeunes sont bien, mais je crois que c'est des compétences, non? C'est de ça que je voulais parler. Non, on parlait les nouveaux supports pour les esprits de la Terre immortelle, c'est dans une extension qui sort au Japon et qui sortira bientôt dans le TCG. Enfin, bientôt dans le TCG, qui sortira, je sais pas quand. C'est août ou septembre, un truc comme ça. Renarde de la flamme infernale, regardez cette waifu. Yes. Hop. Ange déchu est joué par la sœur du champion, donc perso exclu du manga. Non, déjà, je ne sais pas qui est le champion. Donc, ok. Système rêve. Cyber rêve système. Invoquez spécialement un cyber dragon depuis votre main ou cimetière. Il ne peut pas être détruit par les effets de cartes. C'est pas mal. Oh, Gaia Pelio, bête spirituelle ultime. C'est vachement ouf ça. Vachement drôle. Dragon d'éclat solaire. Le booster de Cyrus a plus de cyber dragons que le booster de son frère. Il n'y a pas de booster pour Zayn. C'est pour ça que tous les cyber dragons sont dans son booster. Bête spirituelle en Link, c'est bien. C'est quoi la prochaine box dans Duel Links? La box électromagnétique. Cyber Dragon est fini! Yes, ça fait plaisir. T'en penses quoi de la nouvelle box sur Yu-Gi-Oh! Duel Links? On n'en sait pas grand chose dessus, donc je ne peux pas trop donner mon avis. Il n'y a que 5 cartes. Je peux pas dire, putain, cette box va révolutionner la méta au bout de 5 cartes. En vrai, on peut dire plus que 5 cartes, puisque le Valkyrion permet de savoir que nous aurons Alpha et Gamma dans la box. Donc c'est un petit peu plus que ça. Langling. Cyber Dragon, prochain deck présenté. Peut-être pas, mais... On aura son avis dans 5 jours sur la nouvelle box. Oh, Dragon Méga Flotte. Bien ça. Mais ouais, à mon avis, dans mon ouverture. Distraction en duel. Sautez. Oh, il reste plus qu'un quart d'heure déjà. Oh là là, les gars. Là, il...
Tu en penses quoi de ce fragile de Cyrus? Un personnage qui a quand même une bonne évolution. La prochaine box Speed Duel sort quand? La box Speed Duel, ça va sortir le 1er août. 1er août avec le nouveau deck de structure. Nouveau deck de démarrage. On va dire... Je sais pas comment il l'appelle. Enfin, nouveau deck Speed Duel. Herman. Donc, en fait, le 1er août, ils vont sortir une nouvelle box et de nouveaux decks. Donc, c'est incroyable. Ah, viens. Charge d'argile. On va poser ça. Polymérisation! Qu'est-ce que tu penses des speed duels? Moi, j'aime bien. J'ai pu en faire pas mal ce week-end et franchement, ça me motive beaucoup plus en faisant des tournois contre des joueurs. Et du coup, bah, je suis vraiment motivé. Donc, dans les prochaines semaines, je pense que je ferai des tournois speed duel sur Paris, puisqu'il y a certaines boutiques qui en organisent un petit peu plus souvent. Mais j'essaierai de faire ça. MDR, et là t'as le portail et une poly. Ça passe vite les lives. Asso Amazoness. Si elle me sort Asso Amazoness. Oh non, c'est chiant ça par contre. C'est jusqu'à la fin du tour ou c'est perma? Qui est ton perso préféré de GX? Zayn. Toujours que du Duel Monster, j'imagine, sur les decks Speed Duel à venir. Pour l'instant, ouais. Ça va être comme Duel Links. Je peux reborn le... Je peux pas le reborn. I fucked up. Je pensais que c'était un monstre du genre... faut d'abord qu'il soit invoqué par fusion pour l'invoquer SP derrière. Vous la sentez venir, la Swamazoness? La chaîne démoniaque. J'ai waste une police, c'est terrible. Que penses-tu du playmat du CDF? Ça va. Je dirais que ça va. Mes autres collègues youtubeurs n'ont pas pensé du bon, mais... Je dirais que ça va. On va poser ça. Quelle est ta version de Zayn préférée? Hellkaiser. Hellkaiser, bien sûr. Amazoness avec chaîne. Non, non, dégage. J'ai déjà répondu pour mon duel. Ah, le duel préféré de GX. Je sais absolument pas. Vous pouvez sur votre terrain être sélectionné comme cible d'une attaque. S'il est face verso, prenez-le et révélez-le. C'est vachement drôle, charge d'argile. Pourquoi charge d'argile oblige la destruction du Clayman? C'est vachement nul. Charge d'argile. Zayn contre Jesse, en vrai, c'est un bon deck. C'est un bon duel aussi. Hein. Hop, on détruit tout ça. J'ai remarqué qu'on a perdu le soldat Shinigami. Quoi? Vive les cartes nulles. Ah, qu'est-ce que... Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, il inflige 1200 points de dégâts. Qu'est-ce que tu veux? Zayn contre les bêtes cristallines. Dark, c'était un bon duel. Jaden versus Crawler. Bon, normalement, on passe au-dessus de son monstre. Je dis bien normalement. Hop, battle phase. On attaque à 1006. Le jeu va jusqu'à où dans GX? Il va jusqu'à la fin, jusqu'au... Je sais plus comment il s'appelle, le boss de fin. Ah non, ça va jusqu'à Yugi contre Jaden. Kiryu est dans ce jeu? Oui, il est sur ce jeu. Darkness, voilà, c'est Darkness. Darkness est dans le jeu. Charité gracieuse. Ceci m'a l'air fort intéressant. Touk. 1, 2, 3. Oh!
Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je voulais faire des trucs beaucoup plus vénères que ça. Battle phase. Attaque à 1006. T'aimes Arc 5? Oui, j'aime bien Arc 5. Crasheuse. Darkness. La darkness de Konosuba, bien sûr. Ouais, ouais. Ton perso préféré dans 5Ds, Kiryu. La saison 4 de GX, très très sombre. Et oui, qui a valu. Du coup, il. Ah, magicienne, arrête avec ça. En vrai, Darkness dans GX, et voilà. Reprends l'apprenti. 1600 points d'attaque sur monstre, 1500 avec ça. Et du coup. Hein? Vas-y. Par contre, là, on va faire le dispositif d'évacuation. Du coup, ça veut. En dehors du Japon, ils n'ont pas diffusé la 4ème saison tellement c'était trop dark. Alors que rien du tout, mais ok. Pour toi, c'est quoi pour toi la pire saison du Yu-Gi-Oh! Avant exister? Pour moi, c'est Exal. La première saison de Duel Monster. Zexal! Après, Zexal, j'ai pas été jusque-là, mais Zexal, pour moi, reste un bon animé. C'est juste le perso principal qui est merdique. Hop, on va prendre lui. La version Dark ou Signer, ou la version Crash Town? Dark Signer. La version Dark Signer est la meilleure. Battle Phase. Zexal a pas des persos charismatiques. Si, Kaito. Kaito, Astral. Ah bon. Oh, là où j'en suis. C'est-à-dire au premier tournoi. Enfin, premier tournoi, au seul tournoi, je crois. La coupe de je ne sais pas quoi. Darkland. Jusque-là, ça va. Tranchant, donc bon, on va enfin sacrifier lui, on va sacrifier lui, comme ça on va pouvoir faire des dégâts perçants. Ah mince, par contre, c'est peut-être l'épée amazonaise parce que je sais. Yuma est charismatique, voyons, j'avoue. Ah, c'est la tigresse. Eh bah tiens, bouffe-toi 1100. Et tiens, bouffe-toi 1500. Faut que je vois la saison 3 en VO, mais je trouve pas, étant donné que je l'ai vu en VF, et la saison 4 en VO, la 4 est dans une ambiance vraiment hard. J'ai pas tout compris. Astral, en gros, c'est le Yami Yugi de Zexal. Un peu. Un autre cœur farouche. On a le Vruvere aussi. Le Vruvere. Hop. On va attaquer avec lui, là. C'est moi qui prends les 100 points de dégâts et on l'attaque à 2006. Je pense que l'archétype préféré de Yu-Gi-Oh! Pour Konami, c'est Blue Eyes et elle noire. Je pense bien aussi. Vous avez vu où on en est? On est loin en fait. Oh là là, tous les duels. Quand même, il y a pas mal de duels. Hein. On est servi. Hein. On est quand même servi dans ce genre de choses. Histoire de deck. C'est imprononçable cette carte. Si, Vruvela. Astral, c'est plus Yubel de GX en comparaison. Ouais, éventuellement. Ce jeu Yu-Gi-Oh! Il sera sur PS4 ou il sort quand au magasin? Il ne sera pas sur PS4, mais il sortira en magasin. Il sera seulement sur Switch le 20 août 2019. Saison 3 de GX est plus sombre que la saison 4 pour moi, et je pense que c'est une génération confondue. Hop. Hop, on va détruire ça. Bon, il a un monstre à 2100 points d'attaque, hein. C'est assez insane. Renfort de l'armée. Qu'est-ce que je peux aller tuto avec? Toi, tu fais quoi déjà? Ouais, je peux détruire ça.
peut être pas mal. On va chercher ça. Et on va faire la cybergymnaste. Je vais activer l'effet. Je me rappelle quand je l'avais fait en vidéo, c'était terrible. Ce duel. Mais là, je pense que Titan a pas une aussi bonne sortie qu'à l'époque. Je me souviens avoir galéré. D'ailleurs, Darkness, il joue quel deck déjà? J'ai oublié. Un deck ténèbres. Puisqu'il s'appelle Darkness. Non, ça... Mais non, Titan. End phase. Et voilà, il brique. Et voilà, il brique, le Titan. Partout, vous pouvez sélectionner un monstre face à toi que vous contrôlez. Son attaque est divisée par deux. Il peut attaquer votre adversaire directement. C'est pas ouf, ça. On va le poser en mode défense. On va le mettre en mode défense, lui aussi. Et j'ai déjà invoqué un monstre, en phase. Il paye 400 pour faire un effet, et il avait 7000 OP. MP, LP, j'imagine. Cyber tutu. Tiens, on va invoquer le cyber tutu. Comme ça, on va pouvoir attaquer directement et lui faire 1000 points de dégâts, ce qui est assez énorme, je trouve. Anneau magique de golem de Jack contre, contre Rex Godwin. Ah, le contre-coup mortel, c'est le pire truc. C'est franchement le pire truc. Red Eyes Clear comme deck pour Darkness. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Bouc émissaire, on va le placer en mode des face cachée. On va mettre Cyber Danseuse Étoile. Comme ça, elle va infliger 1700 points de dégâts à l'adversaire directement. Enfin, déjà ça. Ça détruit mon monstre. End phase. Bon, je pense que ce sera le dernier duel, du coup. Tu fais l'espace mystique. Tu détruis quoi, déjà? Je sais même plus où je vais faire ce que j'ai... Ah oui, Scapegoat. Oui, voilà. Ouais, super. End phase. Bon, c'est un duel de débile, là. Votre adversaire ne peut pas attaquer d'autres monstres excepté le monstre Rex. Ah, j'aurais pu mettre Super Gymnaste éventuellement face down. Vas-y, pioche un monstre qui... Ça c'est après avoir fait des dégâts. Qui inflige des dégâts à son détruit. Attendez. En attaquant directement. On va poser ça. Titan qui brique, on aura tout vu. J'aime beaucoup trop GX et surtout Jaden avec son héros élémentaire. Je fais le CDF avec un héros élémentaire. Après, ça dépend quel deck héros élémentaire. Hein, puisque, là, le deck de base de Jaden avec ses héros, c'est la mort. Aïe aïe aïe. Terrible ce qu'on se prend. Oh, et lui, il est détruit. Cyber tutu. Bah, on va mettre un messager de paix, comme ça ces monstres ne pourront pas attaquer. Et on va faire un cyber tutu. Cyber tutu peut attaquer directement. Hop, attaquer directement. Tu as quoi dans ton extra deck? Ça doit être la fusion. Celle-là, la cyber trancheuse. Bon, pas ouf. C'est quand du vrai support L noir pour DL? Inch'Allah. Hein. Jaden, dans le manga, il joue un deck héros masqué. J'aurais préféré ça que juste héros élémentaire et néo-spatien. On est d'accord. On va portail de fusion, sacrifier 1000, oui, 100 points. Là, ce qui est bien, c'est qu'il va se tuer lui-même à petit feu. Et j'aurais dû garder mon cyber tutu, puisqu'en fait, quand il aura plus que 1000 à cause de son crâne, j'aurais dû l'attaquer. Pandémonium. Oh non, il a le pandémonium. Mince. Patineuse à l'âme. Je vais sacrifier mes 100. Le pandémonium lui empêche de subir les dégâts. C'est pas Jaden qui bat Titan. La première fois qu'on voit Titan, c'est Jaden qui l'affronte. Mais plus tard dans la série, Titan est l'un des 7 cavaliers de l'ombre. Et du coup, c'est Alexia qui le bat.
Rien infernal, tu boostes 8000, je vais sacrifier 100. Cette partie est intéressante, mesdames et messieurs. Beaucoup trop intéressante. Open phase. Le messager de paix tellement forte comme carte, surtout pendant GX. Tout à l'heure, il va nous sortir un typhon d'espace mystique, on va rien comprendre. Il va nous OTK. Calmez-vous. Ok, il utilisait plein d'effets, je comprenais pas tout. Oh, le typhon! Oh! Attendez. Messager de paix, oui. Oh, les gars! Le typhon! Le typhon! Hop, bouffe-toi ça. Vas-y! Là, on est bien, on a une phase. Ah. Et là, reine infernale. Tu payes 500. Tu payes 500 pour lui aussi. Il lui reste 1000. Double sort. Oh non! Ah non! Oh, terrible. Après, il lui reste plus que 1000. Si je top deck. Oh mais non, il l'a mis en mode défense. Oh, renfort de l'armée en plus. En plus. Attendez, comment marche l'effet de l'autre là déjà? Donne-moi la cyber danseuse étoile. Comment marche son effet? Alors. Tant que votre adversaire contrôle seulement un monstre, cette carte n'est pas détruite. Tant que votre adversaire contrôle seulement 3 monstres, cette carte annule les effets de cartes magie, piège et monstres de votre adversaire. 2100. C'est pas assez. Oh, là, c'est compliqué. Oh là, c'est compliqué, les gars. On va tenter des trucs, hein. On va faire polymérisation. Hop, cyber trancheuse, hop et hop. Il se prend 1000 avec l'effet de ses cartes au prochain tour. Attendez, c'est un effet obligatoire? Sinon, cette carte est détruite. Ouais, mais c'est quel effet qui va s'activer en premier? Puisqu'en fait, c'est... Alors, faudrait que l'effet de la reine infernale s'active en premier, comme ça il sacrifie 500 obligatoirement, et il pourra pas payer 500 pour le crâne. Mais je sais plus dans quel ordre il s'active. Ouais, on passe notre tour, hein. Mais ça le tuera pas, hein. Ça le tuera pas. En fait, il y en a un qui va être détruit. Oh! Probablement, hein. Probablement, éventuellement. On peut faire ça comme ça. On peut éventuellement faire ça comme ça. Yes. Bah, c'est obligatoire, mais si on ne le fait pas, il est détruit. Je ne sais pas. Bon, du coup, on a un nouveau booster. Sauf si tu as moins de 500 LP, il est détruit. C'est bizarre. La révolution globale est finie! Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype dans cette... On a les verts, on a les bêtes cristallines, bien sûr. Super dragon arc-en-ciel. Oh, on a les Koakimeru là-dedans. Hé, hey, les gars! Koakimeru. Yes, plein de Koakimeru, là. Bien sympathique. En fait, avec les arcs démons, tu es obligé de payer des points de vie. Tu n'as pas le choix. Ouais, non, mais je sais que c'est obligatoire, mais je me suis dit, bah, si ça...
si le fait de payer le tue, le monstre est détruit à la place. Diamond Core. Je sais pas. Pour acquis complet. Ah bon, marionnette. Oh, marionnette de l'ombre, c'est là-dedans. Mais non. Oh, c'est bien. Ça, c'est bien. Si c'est le cas. Cérémonie du saut de mouton. L'herbe a l'air plus verte. Interdite. Yes. Interdite. C'est bien dommage. Seigneur paratonnerre, dragon de la foudre. Enfin, y'a que les Koakimero en fait. Et... Oh, ouais, l'invitation, j'ai déjà en fois 3. En fait, payer 500, c'est le coût, vu qu'il avait 500, il a pu payer. S'il avait 450, il pouvait pas le payer le coût. Ah, intéressant. Dommage pour lui, ce petit bolos. C'est quelle box, les Subterror? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Statue barrière, actuellement. Ouais, les marionnettes de l'ombre, mais sauf qu'on n'a pas les monstres marionnettes de l'ombre depuis tout à l'heure. Grande valeur. Ouais. Bah, ils sont où tous les monstres marionnettes de l'ombre là? Monster Reborn. Ah, le faucon, bah voilà. Marionnette de l'ombre. Stardust. Stardust ou Red Eyes, Stardust. Vitalité arc-en-ciel, vert. Ouais, donc par contre, les marionnettes de l'ombre, on les a pas facilement. Hein. Oh, maître du cristal. Oh, les gars. Oh oui, on pourra faire un deck bête cristalline pendule. Et du coup, ça, c'est le maître du cristal, le monstre qui a... Qui a le truc de... Bah c'est... Il ressemble fortement à Jesse en... fusionné avec Jubel. Eh, je l'ai IRL cette carte. Célèbre ultime. On va continuer un petit peu. Jusqu'à 40 000. On va dépenser jusqu'à avoir... jusqu'à vous donner plus de 40 000. Miroir absorbant. Puisque cette box, il y a les bons trucs sympas. Die Greffer, ça m'a l'air vraiment sympa. Hein. Enfin, il y a des trucs sympas dans ce booster, mais sauf que c'est très difficile de les avoir, j'ai l'impression. Parce qu'on a toutes les marionnettes de l'ombre, mais... Ça veut pas, hein. Fluide serpent... Oh, il deck venin, c'est vrai, disons. On les a vus. Dark JC. Dragon marionnette de l'ombre. Intéressant. Oh, le garde du cristal. Et du coup, garde du cristal, c'est l'apparence de Jesse, mais en normal. Si un monstre bête cristalline que vous contrôlez les combats monstres, ce sera un truc à voir. Winda, marionnette de l'ombre. Bien ça. Ouais, le monstre chasseur du miro qui ressemble à Kaito. Garde du cristal. Nom du martyr pour farm. Encore les bêtes cristallines. Dragon arc-en-ciel. Oh, le squamat. Oh, la fusion marionnette de l'ombre. Alors voilà, on a les cartes marionnettes de l'ombre maintenant. On a ce qu'il faut. Lina, surcharge. Eh ben, ce jeu existe sur PS4, pas la version Link Evolution. Elle n'existe que sur Switch. Dragon de foudre. Et dernier booster. Non, on va en faire un autre derrière pour avoir moins de 40 000. Diamond de corps, chevalier dur. J'avais pas... Mais justement, ils demandent tous un monstre de leur type ou le noyau, étant donné... Maximus, yes. Amande, défausser deux cartes. Ça me paraît bien ça. Garde du cristal. Et vert queen. Bon bah voilà. On a combien de cartes au total? Ah non, si. Non, attendez. Hein,
Mince, j'ai... Ouais, non, ça a presque spoil tout mes decks. On est à 4700 cartes sur le jeu, on est à la moitié des cartes. À peu près. Maximus, sale enfoiré, Marionnette de l'ombre, c'est pas méta. C'est pas méta. Mais c'est plutôt pas dégueu. C'est plutôt pas dégueu. Bon, et ben on va se laisser là pour ce soir. Ça va encore faire une coupure assez nette hein, à la fin du live. Donc je vais mettre le prochain écran. T'as déjà une lock des héros masqués? Non, à mon avis, il faudra le booster de Jaden qui sera là. Pour avoir les héros masqués. Bon, eh, on a bien avancé en vrai. Il faudra juste que je dépense un petit peu de thunes là-dedans. Là, enfin, de DP dans ces boosters pour les compléter. Et surtout ici, là il y a des choses intéressantes à faire. Et du coup, eh bien on va se laisser là pour aujourd'hui. Le prochain live Link Evolution sera je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, puisqu'en fait dimanche ce sera le live de la Coupe de France Duel Links. Et je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. J'étudierai tout ça, je vous mettrai le planning de toute façon sur mon onglet communauté YouTube, sur Twitter, ainsi que sur le Discord. Et du coup, on se retrouve eh bien, la prochaine fois, bah, déjà de toute façon, dès demain, pour une présentation de deck sur Link Evolution, samedi pour le live Duel Links, et voilà, ce sera déjà bien. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bonne soirée tout le monde.